Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Ce que nous allons vous raconter ici est grave, mes frères et sœurs, mais c'était bien réel. Sur Nyang's Reborn 3, nous venons de faire la première partie de cette vidéo. Et ici, nous allons vous raconter ce qui s'est passé après. Ça veut dire que tous les abonnés de Nyang's Reborn 3 vont venir ici pour regarder cette vidéo également. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés, le nombre de vues augmente. C'est vrai, ce sont eux qui sont là et qui sont tout simplement en train de regarder ça. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? Sur Nyang's Reborn 3, nous avons dit qu'un homme, un ex-sataniste nous a raconté cette histoire pour nous dire clairement ce qui s'est passé quand il voulait augmenter son pouvoir. En fait, il allait voir un occultiste qui lui a dit que pour augmenter son pouvoir, il devait faire un sacrifice. Et son sacrifice était de faire quoi? Son sacrifice était de dormir 18 jours à la morgue. Incroyable. Et lui, bizarrement, il a fait. Pendant ses 18 jours à la morgue, il a assisté à beaucoup de choses, des choses encore plus graves. Par exemple, une femme, une personne qui est décédée, qui est ressuscitée. Ça se trouve sur Nyang's Reborn 3. Allez regarder cette vidéo. Et la suite est ici. La suite est que, pendant qu'il était en train de dormir, pendant ses 18 jours à la morgue, là, il a assisté à quelque chose de vraiment grave qui s'est passé. Et une mort subite même. Lui, il devait venir chaque 18h à la morgue pour dormir. Et de 18h à l'aube, de 18h à 6h du matin, il doit se lever et aller vaquer à ses occupations. Ça veut dire que la morgue est devenue comme sa deuxième maison. Et bizarrement, le gardien de la morgue, lui, il savait ça, puisque le gardien de la morgue, il travaille aussi avec la puissance des ténèbres. En tout cas, ce gardien de la morgue qui se trouvait là-bas, c'est ce qu'il faisait. À un moment donné, quand il était venu se coucher aux environs de 18h, là, voici quelque chose qui va se passer. Que va-t-il se passer? Nous allons vous le dire. Vous savez que souvent, là, il y a des hommes qui décident, il y a des personnes curieuses qui décident de se rendre où? À la morgue pour voir les cadavres, pour voir comment les réalités de la vie, comment les humains sont, ce qu'ils font, pour comment l'homme est, en fait, pour se conscientiser. Est-ce que vous comprenez? Pour se conscientiser, il y a beaucoup de personnes qui vont dans de tels endroits pour découvrir la vie après la mort, bon, qui découvrent ce qui se passe après la mort. Et voici qu'un jeune, comme vous et nous, il s'est rendu dans cette morgue-là. Et quand lui, il est arrivé, il a été attiré par cet homme-là couché. Cet homme-là était couché comme ça dans la morgue là-bas. Il était couché, hein. Et lui, quand il est arrivé là, et qu'il a vu ce monsieur, il s'est approché de lui. Il a vu que cet homme était bien habillé. Tellement bien habillé qu'il était tellement dépassé. Il a dit, il regarde cet homme, il dit, mais... Hey, comment un bel homme peut-il être mort comme ça? Mort et couché comme ça? Mais la vie n'est pas bonne, l'homme n'est rien. Et il était en train de se lamenter. Pendant qu'il était en train de se lamenter, il parlait ainsi là. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un sataniste qui était couché là. Lui, bizarrement, il a eu une envie de rire. Et dès qu'il s'est mis à rire net, cet homme là, en question là, il est tombé sur le cou. Il est tombé comme évanoui. Il est mort sur place.
Eh bien, j'hallucine ou quoi? Mes frères et sœurs, c'est son témoignage et c'est ce qu'il a dit. Et quand cet homme est mort sur place, les démons lui ont dit que ce qui vient de se passer là, c'est ce qui confirme effectivement que le pouvoir que tu cherches là, tu l'auras. Quoi? Mes frères et sœurs, ce qui se passe à la morgue, c'est vraiment grave. Si Dieu permet qu'on vous révèle ces choses, c'est pour vous dire qu'il y a dans certains endroits où il ne faut pas se lancer. Il ne faut même pas se prononcer. Il faut carrément, franchement, éviter certaines choses. Souvent, il y a des personnes qui ont dit, je vais me rendre à la mort pour voir ce qui se passe là-bas, les humains, les morts, les cadavres, après, tu vas chercher quoi là-bas? La morgue là, c'est un autre monde. Laisse ceux qui sont là-bas faire leur travail. Parce que quand tu arrives là-bas, là, tu peux rencontrer des trucs. Il y a même des personnes, il y a beaucoup de satanistes qui vont spécialement là-bas. Vous savez c'est pourquoi? Ils vont spécialement là-bas pour augmenter leur pouvoir. Certains même vont jusqu'à coucher avec qui? Avec des cadavres. C'est pas nouveau, vous êtes formés. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas ça. Il y a beaucoup qui vont là-bas jusqu'à coucher avec des cadavres. Coucher avec, prendre même des hommes, des organes humains. Et beaucoup sont en complicité avec celui-là même qui est le gardien de la morgue. Celui-là même qui lave les cadavres là. Vous allez voir, vous allez venir, vous allez chercher les parties de votre corps. Vous allez voir qu'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de... Si ça a disparu, beaucoup de personnes se demandent, mais où c'est passé? Où sont ces bras? Où sont ceci? Où sont cela? Derrière vous, il y a des sécuritistes qui sont venus ramasser, qui sont venus prendre tout ça. Et le gardien de la morgue voit ça. Je ne dis pas que tous les gardiens de la morgue sont des sorciers, hein? Mais en général, tous ceux qui sont dans la morgue là-bas, qui sont quand même appelés gardiens de la morgue là, en général, ils sont en communication avec les autres, avec la puissance du monde des ténèbres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas loin des satanistes eux aussi. Ça veut dire que nous sommes dans un monde compliqué. Là où nous allons aller positionner notre cadavre là, ou encore notre corps là. Là-bas encore là, il y a un danger qui guette là-bas le cadavre. La personne est décédée, la personne a souffert, elle est décédée. Après sa mort, son corps encore va souffrir dans la main des satanistes. Et ça, c'est vraiment mauvais. Ce sont des réalités de la vie que nous vous révélons là. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part? C'est possible. Peut-être oui. Mais beaucoup de personnes ont pensé que c'était la blague. Il y a plein de témoignages que nous avons traités sur Union Reborn qui témoignent de cela. Regardez les précédentes vidéos pour en savoir plus. Et nous vous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain pour un autre témoignage encore plus fort, encore plus puissant. Soyez prêts. Soyez prêts! Ça va être chaud. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et que Dieu lui-même veille sur vous et préserve votre vie. Amen.